on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes idées, mes astuces entre guillemets écolo pour éviter de trop impacter mon environnement. Et puis aussi, en même temps, c'est plutôt dans un sens égoïste aussi, hein, il faut se l'avouer. C'est aussi pour éviter de choper des maladies suite à tout ce qu'il y a de toxique, de chimique autour de nous. On sait qu'il y en a déjà plein, qu'on ne peut pas contrôler. Il y a la pollution de l'air, la pollution de la maison, il y a tous les produits qu'on achète dans les magasins. Quand vous sentez cette odeur, pas possible, vous êtes obligé d'aérer et tout dans votre pièce parce que ça sent pas bon, parce que tout ça, c'est pas fait avec des matériaux naturels, des tissus. Enfin, je veux dire, on peut pas tout éliminer de toxique dans notre vie. Alors, bah, à ma petite échelle, à ma petite dose, j'essaye par de petites touches d'améliorer ça. Et si ça peut vous donner des idées, je me suis dit, tiens, ça change un peu de la beauté. Voilà. Parce que j'ai décidé sur ma chaîne que comme j'étais plutôt dans un truc d'arrêter de consommer du maquillage à outrance, comme je l'ai fait trop l'année dernière, j'ai vraiment exagéré, plein de produits dont que j'arriverai jamais à terminer en fait. Je trouve ça dommage parce qu'en plus il y a un impact financier, hein, il ne faut pas se leurrer, tout ça, ça coûte cher et... Bah, être un petit peu écolo, mais j'aime pas ce terme écolo parce que je trouve qu'il y a toujours une connotation un peu politique et c'est pas du tout le cas. Moi, en fait, j'ai, pour tout vous dire, j'ai été élevée par ma mère qui a été une écolo, si on veut, avant l'heure, avant que ça soit à la mode comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les filles de YouTube qui sont à la mode, c'est les filles elfies, les filles écolo et tout ça, c'est vraiment la grosse tendance. Et tant mieux, parce que c'est plutôt positif. Quand ça n'oblige personne à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Et donc ma mère, moi à l'époque, je ne m'en rendais pas compte parce que quand j'étais jeune, que j'étais petite, ben oui, c'était pas la mode. Donc en fait, moi je voyais ça comme quelque chose de rétrograde et tout. Et en fait, maintenant, quand je pense à tout ce qu'elle faisait et ce qu'elle nous obligeait à faire par le fait qu'on était dans cette maison et que bah, on vivait avec ce qu'il y avait, je me dis qu'elle avait complètement raison. Et il y a des astuces que maintenant je prends et puis que je vais appliquer moi-même. Ça veut dire sûrement que je prends un sacré coup de vieux, les filles. Et je vous en parlerai au fur et à mesure que je vous présenterai certains trucs. Donc évidemment, autour de moi, il y a plein d'objets de consommation. Hein, parce que pour moi, faire attention, c'est pas arrêter d'acheter. Comment faire quand on est dans une société de consommation, c'est quand même pas simple, et qu'on travaille, hein, parce que c'est pas comme si j'étais au fin fond de ma cambrousse et que j'étais en complète autarcie pour vivre, et mais c'est pas le cas. Donc il faut bien que je fasse avec le monde qui m'entoure, que j'accepte ce monde, et que, voilà, que je participe à mon humble échelle à essayer de mieux le vivre. Donc voilà, on va démarrer un peu... au hasard, comme ça. Allez, je prends des trucs dont je vous ai peut-être pas bien parlé. Alors là, c'est une pierre d'argile, c'est une pierre de gommage, évidemment, par qui elle m'a été offerte. C'est par mes parents, qui sont assez nature, hein, mes parents, et proches de tout ça. Et ils ont offert cette pierre de gommage à moi et à ma sœur. Et en fait, ces pierres d'argile, vous les trouvez dans plein de sites touristiques, dans plein de petites boutiques un peu artisanales, etc. Quand vous vous promenez en vacances, c'est vraiment le moment en ce moment. Et bah, j'en avais pas une comme ça de pierre de gommage, donc c'est super. Alors je peux vous dire que j'avais expérimenté la chose dans un spa à la montagne cet hiver, je connaissais absolument pas. Et en fait j'avais pris un gommage corps, et je ne savais pas que c'était avec une pierre de gommage, et je peux vous dire que ça m'a fait une peau de bébé, c'était génialissime, avec une huile qui allait bien, et c'était super. Donc mes parents m'ont acheté ça, tout à l'heure pour vous dire, bah, j'ai fait un gommage de ma main. Alors sur la main c'est un peu abrasif parce que la peau est très fine, mais j'ai pas encore essayé ça sur mes jambes et sur mes bras, mais je pense que ça va super bien le faire. Donc comment ça se passe quand on vous offre ça? On vous offre généralement une recharge avec de l'huile dedans.
Donc là, c'est Madame Chamotte et à la bergamote, parce que mes parents, ils savent que j'aime l'odeur de la bergamote. Hein. Quand on aime le Earl Grey, on aime la bergamote. Et en fait, il y avait un petit papier et ça expliquait que la première fois, il fallait imbiber complètement la pierre avec ça, laisser poser une nuit complète avant la première utilisation. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et tout à l'heure, je l'ai mis sous l'eau. Alors, ça mousse pas. Et j'ai frotté tout simplement. Et ben voilà, ça s'est bien passé. Hein. Et alors, tout ce que je regrette, c'est que finalement, ce n'est pas des produits bio. Et vu les ingrédients, alors il va falloir que je m'y intéresse vraiment aux ingrédients. Pour l'instant, ce n'était pas du tout mon truc. Et finalement, je me dis, je me sens bête maintenant quand je regarde les ingrédients. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Et dans le doute, quand je vois des trucs genre propyl et tout ça, d'office, je me dis que c'est mauvais, alors que peut-être que non, en fait, on n'en sait rien. Et bah du coup, j'aurais préféré que ça soit un label bio ou éco-cert, un truc un peu plus naturel. Donc ce que je ferai, c'est que la prochaine fois que j'ai l'opportunité de trouver une recharge plus naturelle, je l'achèterai pour l'instant, évidemment. Écolo, ça ne veut pas dire jeter à la poubelle, parce que ça, c'est contraire à tous mes principes financier et écolo, parce que puisqu'on l'a payé, puisqu'il y a une usine qui l'a fabriqué ou un artisan et qui a eu un récipient de fabriquer pour ça, je trouve ça complètement neuneux d'aller le balancer à la poubelle parce que c'est mauvais. C'est là, on l'utilise et après on essaye de trouver mieux. Moi, c'est mon concept, donc c'est ce que je vais faire et je pense que j'en ai pour un petit moment. Et du coup, je vais arrêter. Pour le moment, je pense d'acheter des gommages, sachant que je suis une grosse consommatrice de gommage corps. J'adore ça et on sait toutes que les gommages corps sous la douche, ça défile à une vitesse. Non seulement ça coûte très cher, mais en plus ça défile. Donc je me dis, je vais gagner de l'argent et je vais voir si c'est tout aussi efficace. Et pourquoi pas, même de temps en temps, si je trouve quelque chose de plus naturel, prendre plusieurs parfums et varier les plaisirs avec des parfums différents. Donc je vous en reparlerai de ça. Et du coup, voilà, les produits que je rachète plus en ce moment, c'est les gommages. Alors il y a pas longtemps, c'est vrai, je vous ai montré sur Instagram que j'avais acheté un gommage ayurvédique, je crois, qui était en promo dans ma parapharmacie Leclerc. Je vais l'utiliser, hein, je suis pas complètement folle. Je vais le prendre en vacances. Et puis, il sera certainement terminé au bout de 15 jours. Et puis ensuite, je m'attaque à ça. Alors ensuite, un truc que je n'achète plus et depuis très, 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 ça fait bien 20 ans que je n'achète plus les déodorisants. Pour moi, c'est le comble de l'horreur, ce truc, parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu respires comme cochonnerie pour enlever les odeurs, mais oh, à ma mamie, hein. Et l'autre jour, ça m'y a fait penser, ça m'a donné l'occasion de faire cette vidéo parce que j'ai un appart à la mer et on le prête aux grands-parents. Et ma belle-mère, qui n'est absolument pas bio du tout et un peu réfractaire à tout ça parce qu'elle y croit absolument pas du tout dans le naturel, j'essaye de la convaincre, mais ça marche pas. Et donc, dans les toilettes, elle avait eu la gentille idée, si on veut, de me racheter un pchit qui n'existait pas, puisque je n'achète pas de pchit depuis plus de 20 ans, parce que je trouve ça horrible. Les seuls pchit que j'ai déjà achetés, c'était en magasin bio, des trucs qui n'étaient pas sous bombe métal, là, et qui étaient aux huiles essentielles, et puis que ça me durait 3 ans, c'est tout, quoi. Et moi, dans mes toilettes actuellement, je vous montre ce que j'ai. Alors, c'est encore la pierre d'argile. Donc, comme je vous dis, j'avais découvert ça à la montagne, à Tignes. Et en fait, ça se trouve en Provence, ça se trouve en plein de régions, hein. Il y en a en Bretagne, on en a vu dans le Périgord, partout en France, en fait, la terre d'argile, il y en a partout. Et donc, j'en avais acheté pour ma meilleure amie, parce qu'elle est assez nature aussi, et du coup, ça lui a super plu. Je lui avais acheté le parfum cèdre, et elle a adoré. Et moi, j'avais pris héliotrope, donc héliotrope, hélios le soleil, tropène se tourner vert, donc c'est le tournesol. J'avais acheté ça, et d'ailleurs il m'en reste plus beaucoup, je regarde, mais il m'en reste un dixième à peu près, donc je m'en sers souvent,
Ce que je fais, c'est que je renverse quelques gouttes sur ma pierre dans les toilettes. Et il y a un petit creux ici, donc ça, voilà, ça coule pas partout. Et ça imbibe la pierre ici, qui est beaucoup plus poreuse que celle d'en dessous. Celle d'en dessous, c'est une pierre de déco, en fait. Elle est toute lisse, elle est toute mignonne, il y en a plein à choisir. On pose ça dessus, on pose ses gouttes, et ça sent bon naturellement. Voilà, et moi, c'est tout ce que je mets. Et puis, je suis désolée, si ça sent pas bon, bah tu laves tes toilettes, et puis ça sentira bon après. Hein. Voilà, hein, il n'y a pas mort d'homme non plus. Et moi je dis toujours, la propreté c'est la meilleure du, c'est le meilleur des c'est le meilleur des parfums, voilà, à condition d'acheter de bons produits. Et donc voilà, j'achète plus de pchit déodorisant, pour moi c'est le summum de l'horreur. Je sais pas si vous, dites-moi si peut-être que je crois que tout le monde déteste ça et puis qu'en fait vous adorez ça. C'est pareil, c'est comme les, vous savez, les trucs que les gens mettent dans les prises pour que ça sente bon ou que ça tue les mouches et les moustiques. Mais, oh, mais je vois ça, moi. Si on me fait aller dans un endroit où il y a ça, je me sens pas bien. Je me sens pas bien et je me mets près d'une fenêtre, quelque chose le plus loin possible. Je supporte pas. J'avais encore une amie qui m'en parlait cette semaine. On est allé à, pour le travail, on était allé dans un hôtel. Et mon Dieu, ça nous a, nous qui sommes des anciennes asthmatiques, ça nous a pris à la gorge et aux voies respiratoires dans cet hôtel franchisé. Ils avaient dû brancher des trucs aux fruits rouges, mais ça prenait la tête, c'était une horreur. Mais il y a d'autres solutions, en fait, plus naturelles, si, voilà. Si vous voulez savoir, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que dans ma cuisine, j'ai un petit peu d'huile essentielle de citron. Et en fait, quand je veux que ça sente bon dans une pièce ou parce que, par exemple, dans la cuisine, hier, j'ai fait du chou, t'as beau ouvrir ta fenêtre, ça a du mal à partir. Pareil, hier soir, le poisson, c'est dur, quoi. Et par exemple, avant, j'achetais toujours des bougies. J'étais une bougie maniaque. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, alors que ça fait 5 ans que j'essaye d'écluser mon stock, pour vous dire, je n'arrive pas encore à l'écluser. Avant, j'allumais tout de suite une bougie. Et c'est vrai que ça camouflait les odeurs. Et tu avais l'impression de te sentir mieux. Sauf que je pense vraiment que même si tu essayes de ne pas acheter des cochonneries dans les machins low cost, même si tu essayes d'acheter des bougies de bonne qualité, je suis pas sûre que ça soit très bon pour les voies respiratoires et notamment pour les enfants et tout. D'ailleurs, c'est toujours bien écrit de ventiler la pièce et de ne pas utiliser les bougies dans des endroits confinés, fermés. Les fabricants le disent aujourd'hui eux-mêmes. Hein, ils disent faire brûler et aérer 10 minutes. Donc, s'ils le disent, c'est que scientifiquement, il y a quelque chose qui a été prouvé quand même. Et avant, j'y faisais pas attention. Alors, du coup, par exemple, hier matin, j'avais aspiré et tout, et puis il y avait quelqu'un qui devait venir à la maison, et il faisait bon dehors, donc j'avais profité d'ouvrir tout grand les baies vitrées, et je me suis dit, Lynette, t'as ton stock, on m'avait offert une bougie, parce que les gens savent que j'aime les bougies, donc j'en ai encore plein en cadeau et tout ça, et j'avais ma copine Valika, coucou Valika, qui m'avait offert une super bougie qui sent très très bon, et du coup, j'ai dit, je ne l'ai pas fini. Je vais la faire brûler, mais j'ai mis sur la table du salon, près de la baie vitrée, et du coup, bon, ça a senti bon, mais j'ai vraiment aéré. Mais franchement, je pense que si je rachète des bougies, ça sera vraiment très 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 épisodiquement, et je crois que je veux vraiment regarder la compo, la mèche, si elle est en coton, ou s'il y a du plomb dedans, si c'est à la cire d'abeille ou pas, ou au soja, enfin, vous voyez. Parce qu'en fait, il faut faire vraiment attention à la combustion de la bougie, et si elle se consume bien. Voilà. Donc, voilà pour les histoires de parfums dans la maison. Ensuite, j'ai décidé pour le moment, mais après, c'est pas non plus... je suis pas dans l'orthodoxie, vous voyez. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que je dis pas que je le ferai plus jamais de ma vie. Je le fais moins. J'ai plus trop envie d'acheter ces produits
Mais il va arriver que je les rachète par commodité ou par pulsion, hein. On est des êtres humains. Et donc j'ai toute une collection de savons parce que je suis une savon maniaque, vous le savez. Et donc entre ceux que j'ai achetés, ceux qu'on m'a offerts pendant des années, j'en ai plein. Et les savons, on va longtemps, longtemps avec. Et donc bah là, j'ai décidé d'arrêter d'acheter du savon liquide. Ouais, pour les enfants, quand même, dans leur salle de bain, je préfère encore qu'ils aient leur savon liquide. J'achète un savon liquide, vraiment, il y a la base dedans, il n'y a pas tellement, il n'y a pas de parfum, enfin, c'est des 0% machin et tout. Mais c'est vrai que pour les enfants, c'est quand même bien. Après, pour moi, Monsieur Linette, ou dans ma cuisine, les pains de savon, c'est quand même super. Et donc, je vais même vous dire que j'en ai un dans ma douche en ce moment, en alternance avec le gel douche, parce que en ce moment, j'ai un peu une prise de conscience aussi des gels douches. Parce que non seulement les gels douches, on les termine très, très, très rapidement. Le flacon, ben, il part au recyclage, mais c'est toujours un deuxième truc qu'on met au recyclage. Et en ce moment, j'ai une prise de conscience, c'est quand on est revenu de vacances, on avait donc loupé le passage des poubelles à recycler. Et on s'est retrouvé, mais débordé, débordé de choses à recycler. Et là, tu te dis, il y a quand même un problème. Il y a un problème dans cette maison. Bon, et partout ailleurs, hein, il n'y a pas que chez nous, hein. Mais je me dis, il faudrait quand même que j'arrive à diminuer le plastique, les contenants, parce que c'est plus possible, quoi. Enfin, après, quand on entend tout ce qui se passe et sur l'écologie et tout ça, enfin, ça fait quand même mal au cœur. Moi, c'est quand même la planète de mes enfants. Enfin, j'ai pas envie de leur léguer une terre toute pourrie, quoi. Et j'ai pas envie de participer à ça. Alors, j'y participe de toute façon, hein. On n'est pas parfait. Mais j'ai décidé peut-être d'acheter moins de gel douche et de faire peut-être en alternance un bain de savon et un gel douche. Alors, vous allez me dire, c'est que dalle, tes astuces, voilà, mais eh ben, ça fait rien. Moi, je vous dis ce que je ressens et ce que j'ai envie de faire chez moi. Après, moi, ça m'intéresse de savoir vous ce que vous en pensez et vos astuces. Ça peut peut-être me donner des idées parce qu'on n'a pas la science infuse. Donc voilà, en ce moment, j'ai un pain de savon à la lavande qui est dans ma douche. Et notamment, il n'y a pas que l'écologie, comme je vous disais, c'est aussi la santé. Avec tous les cancers qu'on voit autour de nous, enfin, les gens qui meurent prématurément, moi, l'espérance de vie, j'y crois plus du tout. Quand on te dit, ouais, l'espérance de vie, elle est à 80, non, 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 c'est pas vrai, quoi. Enfin, il y a tellement de gens qui meurent jeunes, quoi, et je me dis, c'est cet environnement tout pourri, quoi. La nourriture et tout, il faut faire quelque chose, quoi. Et bon, après, ça nous immunisera peut-être pas forcément, mais tant pis, on aura au moins fait un geste, on aura fait quelque chose. Et quand je vous disais dans ma vidéo développement personnel, il faut prendre les choses à bras le corps et puis il faut y aller par soi-même et puis il faut tenter les choses, il faut oser et puis, enfin vraiment, c'est ma philosophie de vie, c'est fais quelque chose quoi, arrête de te plaindre et fais quelque chose, voilà. Et même si c'est un petit quelque chose, ben ça fait rien. Et j'ai décidé, voilà, que ça allait être mon année où je vais revenir là-dedans parce que j'étais plus avant le blog, avant le YouTube, et puis je me suis un peu perdue parce que YouTube, je trouve que c'est le lieu de la perdition, de la consommation pour la beauté. Je trouve que ça pousse tellement à la consommation, tellement à acheter des choses, des contenants et tout ça. C'est la société, hein, de toute façon, c'est comme ça. Et ça m'a plu pendant très très longtemps, mais là c'est vrai que j'en peux plus quoi. J'ai trop de choses, surtout quand je vois autour de moi tous les rouges à lèvres que j'ai, les produits de beauté que j'arrive pas à finir. Ça fait quoi les filles? Vous vous rappelez que j'ai rien acheté depuis décembre au niveau fond de teint? Vous vous rappelez de ça? Mais ils sont encore là, ils sont pas finis. J'arrive pas à les finir et je me maquille tous les jours. Donc quand est-ce que j'en viendrai à bout? J'en ai acheté bien trop. Et donc voilà, cette prise de conscience. Donc pour la beauté, ouais, c'est terminé parce qu'après, ouais, bon, je vous avais ramené un échantillonnage des bougies, même pas utilisées, qui sont encore dans ma bougie tech. J'en ai plein, 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 plein. Alors voilà, je jette pas les choses pour les faire brûler parce que je vais tout terminer. Moi, j'adore mon petit Geico Party Light et vous voyez, il y a un truc comme ça dedans et je vais les utiliser. Je vais faire attention, je vais bien ventiler, tout ça, mais
j'en achèterai pas autant qu'avant. Ça, je me ferai plus, je me laisserai plus faire par la société de consommation, c'est fini. Alors ensuite, donc je m'intéresse au sujet. Qu'est-ce que j'ai changé aussi cette année? Eh ben, au niveau des bouquins, nous on est dans une maison où on lit. Moi, je lisais avant énormément, mais je suis seulement en train de reprendre. Par contre, mes enfants, depuis leur plus jeune âge, de toute façon, dès qu'ils ont eu la force de tenir un livre entre les mains, ils l'ont fait. Donc, c'est comme ça. Ils sont capables de lire jusqu'à 2 livres par jour. Donc, je peux vous dire que des livres, j'en ai acheté. Il y a des cartons pleins au sous-sol et tout. Et notamment, ils adorent aussi en plus les abonnements. Donc tous les ans, à chaque fois, ils me faisaient la liste de tous les abonnements qu'il leur fallait. Non seulement ça me coûtait une vraie fortune, parce que chacun voulait son propre magazine, machin. En même temps, ça me faisait plaisir parce que je me disais, tiens, ça les éveille à ci, ça les éveille à ça, ça les intéresse à ceci. Culturellement, intellectuellement, c'est génial. Et puis pour l'amusement aussi, hein, parce qu'on n'achète pas que des trucs intellectuels. Mais... il se trouve que dans notre village où on est resté 12 ans, ouais, la bibliothèque, elle était nulle, quoi. On y est allé deux fois j'y suis allée, déjà mal reçue, déjà quasiment faut passer par la case police pour t'inscrire, c'était du grand n'importe quoi, fallait vraiment pas quasiment montrer ton passeport, donc j'avais dit, ouais, laissez tomber, dans une ambiance pareille, ça va pas m'éclater. Et puis, du coup, on achetait tout. On achetait tout, des fortunes qu'on a dépensées en livres et en abonnements. Et puis, depuis qu'on est ici, mais on a trouvé une merveille de médiathèque. Une merveille tenue avec des bénévoles, mais d'une gentillesse pas possible. On paye 1 euro l'année. Non, mais croyez-le, intéressez-vous dans votre ville. Je ne sais pas si vous allez aussi à la médiathèque, mais nous, on paye 1 euro par personne. C'est de la dinguerie, quoi. On a beaucoup de chance. Et surtout, le choix des livres est magnifique. Il y a des nouveautés tout le temps. C'est super. Donc, les enfants s'éclatent. Ils y vont toutes les semaines avec moi. Ils se prennent des tas de bouquins. Là, par exemple, ils ferment pendant l'été. Pendant 3 semaines, on a le droit de doubler, plus que même doubler son quota de bouquins. Et on y est allé en voiture parce que on a rempli les sacs à ras-bord, quoi. C'était même pas possible de porter le sac avec une seule personne. Et je parle de ça. Par exemple, à la médiathèque, on y va toujours à pied. Et même quand il pleut, les gamins, ils vont à pied à la médiathèque. Parce que je trouve qu'on prend bien trop la voiture. Alors, je la prends pour aller au boulot, j'ai pas le choix, pour aller au collège. Je la prends pour aller faire mes courses, mais quand il y a des petits trajets genre boulangerie et que c'est à moins de un quart d'heure de chez nous, j'essaye le plus possible, après je dis je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais le plus possible on essaye d'y aller à pied. Et je vois que Monsieur Linette, bah, on est allé à Jardiland à pied, ça nous a fait 20 minutes aller, 20 minutes retour, et en plus au niveau de la santé et puis du cardio et tout, c'est bon, on se dit ça nous fait notre sport. Et ça paraît rien, mais arrêter un peu d'avoir le réflexe immédiat d'aller en voiture, et ben ça permet d'être mieux dans son corps. Voilà, bon, c'est des petites choses, vous voyez, rien de révolutionnaire, je vais pas transformer votre vie aujourd'hui, hein. Et donc voilà, les gamins, ils se ramènent des bouquins comme ça, donc ils en ont pris 3 de cette série-là, plein d'autres et tout, je trouve ça génial. Donc, pour le papier, c'est ça. Donc, on a diminué quand même notre stock de papier parce que les abonnements, hein, ça va très très vite. Moi-même, du coup, j'étais toujours abonnée. Alors, je m'étais abonnée à Gradia, je m'étais abonnée à Elle, je m'étais abonnée à Avantage. Alors, j'adorais tous ces magazines, mais maintenant, je les retrouve à la médiathèque. Alors, j'ai pas toujours le droit de prendre celui de la semaine parce qu'il est que consultable sur place. Mais franchement, ça me suffit, quoi. Et puis, quand je suis en vacances, je me fais plaisir. Je me prends un magazine, hein, voilà. On est des êtres humains. Au niveau de la nourriture, alors là, ça fait quand même très longtemps qu'on fait ça. On ne le fait pas tout le temps, à 200%. Mais là, je vous montre, par exemple, l'exemple d'un yaourt. Voilà, c'est un fromage blanc. Il est périmé, alors j'ai pu le sortir du frigo. Et en fait, moi, j'ai 2 yaourtières.
Alors, les yaourtières, c'est quand même pas facile à trouver. Moi, je les ai commandées chez Conforama. Il n'y en avait pas dans le magasin et je l'ai payé 25 euros. Donc, je prends le modèle le plus basique possible avec des pots de yaourt en verre parce que le verre est quand même le contenant le plus sain, le plus naturel. Et du coup, bah, on jette moins de yaourt parce que l'air de rien, une famille de 4, vous mangez vos yaourts par jour. Moi, je sais que les gamins, ils en mangent énormément. Et bah, regardez un peu sur votre poubelle ce que ça fait parce que c'est pas recyclé. Donc, moi, je fais les yaourts. J'ai appris à mes enfants à faire les yaourts. Ils remplissent eux-mêmes la yaourtière. Il n'y a rien de plus béca. C'est simple, hein. Vous prenez un litre de lait demi-écrémé bio. Moi, je prends la marque Repère Leclerc, hein, Bio Village. On met un yaourt. Alors, moi, j'achète les yaourts marque Repère Bio, les blancs, là, qui coûtent à 0,79 les 4. J'en mets un dans mon récipient Tupperware, là. Je mets un peu de sirop d'agave, comme ça, parce que, nota bene, on n'achète plus du tout de sucre blanc chez nous depuis un sacré moment. Le sucre blanc, c'est très mauvais pour la santé, c'est hyper chimique. En fait, le sucre, il n'est pas blanc à l'origine. Il est blanc pour paraître plus propre aux gens. Mais en fait, c'est une pourriture, le sucre blanc. Donc, à la maison, moi, les enfants, et qu'on dise pas, ouais, mais les enfants, on n'arrive pas à leur faire manger autre chose. Je suis désolée, depuis qu'ils sont bébés, enfin, depuis qu'ils sont en âge de la diversification et tout ça, moi, je leur ai toujours sucré les yaourts avec du sirop d'agave. Et eux, ils vont spontanément chercher leur sirop d'agave. Hein. Donc, il n'y a aucun souci. En fait, c'est des habitudes. Et habituons nos enfants à manger des choses saines et bonnes et goûteuses, en fait. Hein. On n'est pas obligé de manger bio, écolo et mauvais. Et donc, j'achète quand même du sucre de canne que j'achète au magasin bio ou alors en supermarché. Et puis que c'est... je sais plus quelle est la marque qui fait d'Adissu qui doit faire du bio. Et je surveille quand il y a moins 30% au drive. Et puis là, je fais mon stock. Voilà, tout simplement, j'achète les recharges. Ensuite, je mets dans des pots en miel parce que nous, on mange beaucoup de miel de lavande que mes parents ramènent de la Drôme. Et je garde absolument tous les pots de miel. Donc, j'en ai une collection faramineuse dans le sous-sol. Et ça me sert de contenant. Donc, je mets le riz, je mets les pâtes. Je mets les lentilles Beluga bio que j'adore, que j'achète en vrac chez Naturéo. On met quoi? On met les lentilles corail. Alors, je mets la farine. Hein, comme ça, ça s'envole pas. On met le sucre. Et en fait, en plus, moi, j'ai toujours un petit peu peur des contenants déjà plastiques. Je suis pas sûre que laisser laisser la nourriture dans ces trucs plastiques, ça soit bon pour la santé. Et puis pareil pour les paquets cartons et tout ça, sur lequel autour il y a eu des colorants pour écrire les choses et tout ça. Je suis pas sûre que ça se transmette pas à l'aliment. Donc dès que j'arrive, si je peux pas acheter en vrac, tout de suite je transvase et tout, tout de suite. Ça, c'est un peu mon côté un peu comme ça. Et ouais, donc on essaye de plus trop acheter de yaourt. On en achète quand même, hein. Les enfants, je leur fais plaisir aussi, faut pas rigoler non plus. Mais en plus, ils adorent le goût des yaourts. Alors moi, ils appellent ça des yaourts maman. Et puis quand c'est le tour de l'un ou de l'autre, bah, ça prend le nom de la personne qui a fait les yaourts et on aime bien ça. Et ouais, voilà, c'est une anecdote. Et ils adorent la texture parce qu'elle est élastique, elle est onctueuse. Et je ne mets même pas de ferment, ni rien, juste le yaourt là. Et puis un litre de lait, on tourne, un peu de sirop d'agave. On fiche ça dans les, ces 9 pots de yaourt qu'il y a dans la yaourtière. On met le capot et après on appuie sur le bouton et ça se fait pendant 9 heures. Donc généralement, il faut le faire le matin ou alors quelquefois on le fait le soir. Et le matin, quand je me lève, moi je mets tout au frigo. Ça, on attend que ça prenne bien et donc le soir même, on a des yaourts prêts à consommer qui sont bien frais, qui sont bien pris. Voilà. Alors ça marche encore mieux que du lait entier, mais j'ai arrêté le lait entier depuis chez Weight Watchers. Et en plus, je me dis que même pour les enfants, trop de gras, c'est pas forcément bon, sans passer par du écrémé parce qu'ils ont besoin de gras aussi pour grandir. Mais le demi-écrémé, je pense que c'est un bon juste milieu et ça marche très bien avec le lait demi-écrémé. Donc voilà.
Ensuite, hier, je vous avais montré sur mon haul Natureo de Instagram, je vous avais montré que j'avais acheté un dentifrice solide. Bon, alors comme ça, je peux vous en parler parce que je me suis brossé les dents hier soir avec et ce matin. Alors déjà, il y a un petit peu de tromperie sur l'emballage parce que vous savez, le bio, c'est pas toujours glamour. Et là, il y a un beau vert, là, un beau vert citron vert. Mais la réalité, c'est ça. Hein. Donc, faut pas s'arrêter à la couleur. Vous avez un beau petit champignon vert pâle. Je trouve ça extrêmement cher, extrêmement cher. J'ai payé 7,50€ et là, je trouve qu'il y a de l'abus. Je trouve vraiment qu'il y a de l'abus. Et en plus, si j'étais une marque de bio et que j'ai... Et, parce que quand on fait ça, on a envie de soulager l'environnement, etc. Pourquoi ne pas en regarder l'emballage qu'il y a? Pourquoi? Là, il y avait la place. Je vais vous dire. Je comprends pas. Là, il y avait la place d'en mettre deux de quinconce. Et ça rentre dedans. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce que quitte à vous faire payer 7,50€ parce qu'il y a la pub, il y a le marketing, il y a ça, c'est quand même pas le bâton de Mico qui coûte cher. Et puis ça, je suis sûre que ça, ils en font 1000 à l'appel et ça leur coûte rien. Donc, c'est bien si vous voulez, mais je trouve que c'est abusé. Pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Les dents sont propres, c'est-à-dire qu'elles grincent, vous savez. C'est comme quand vous prenez un gel douche qui nettoie ou un nettoyant visage et que ça vous lave super bien le visage. Vous savez, ça fait comme si ça crissait. Et bien ça fait crisser les dents. Et par contre, c'est censé être à la sauge et au citron. Et le problème, c'est que je ne sens rien. Moi, je sens que la poudre, comme s'il y avait du bicarbonate et que je ne sentais que ça. Et en plus, je continue, mais j'ai l'impression que c'est en train de me donner de l'asthme, ce truc. J'ai l'impression que je fais une réaction allergique. Ça s'entend peut-être à ma voix. Moi, je le sens. Et ça m'a pris hier soir parce que quand je me suis brossé les dents, que je suis allée me coucher après, et je me suis dit... J'ai commencé à me dire, je vais pas avoir de l'asthme là, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'est les composants. Alors après, je suis pas super, je suis pas super fan et je suis pas sûre de continuer. Mais en même temps, à 7,50€ la bête, ça me fait quand même mal. Donc voilà, le bio c'est bien, l'écolo c'est bien, mais ça coûte cher quand même. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'essaye aussi dans mon quotidien d'acheter des gros contenants. Par exemple, connaissez-vous la baking powder? Donc en fait, c'est la levure à pâtisserie, tout simplement. Poudre à lever, levure chimique 1 kg. Je l'ai acheté, je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté. Il me reste encore ça et je fais régulièrement des gâteaux. Pour un gâteau, je prends 2 cuillères à café de ça. J'ai payé ça 7,50€. Donc, comparé avec vos petits paquets de 10 levures, là, qui coûtent environ 2,30€, je crois, ça, il faut absolument que vous réussissiez à mettre la main là-dessus. Moi, je suis allée chez un grossiste qui vend des ustensiles de cuisine semi-professionnels et tout. Malheureusement, il a fermé parce qu'il n'en vendait pas assez. C'est dommage. Et je pense que sur Internet, j'ai réussi à en retrouver. Mais là, j'en ai pour 4 ans, quoi. C'est génial. Et j'achète plus du tout les sachets qu'on est obligé de jeter après de levure chimique et que ça coûte cher en plus. Donc ça, c'est hyper économique. Et ça marche super bien. Ensuite, quand je vous parlais de mon sucre, tiens, hier pour changer, du coup, je suis allée au Natureo et il y avait du sucre de fleurs de coco. Donc bio, non raffiné. Et on va l'essayer. Là, je vais le prendre. Je vais partir en vacances avec les enfants. Et on va le prendre pour justement leur sucrer les yaourts. D'ailleurs, je pars en vacances et je prends ma yaourtière. Voilà. Je prends ma yaourtière. Comme ça, on n'aura pas besoin d'acheter les yaourts sur place. On en a 4. Et puis, ça va suffire. Ça va faire le roulement. Et puis, pour les crêpes, parce qu'ils adorent manger des crêpes quand on va là-bas. Il y aura ça, et puis pour les yaourts, et on va voir si on aime bien. Apparemment, il y a un faible indice glycémique, donc j'en sais pas plus que ça là-dessus. Je suis pas nutritionniste, mais on va goûter. Mais en tout cas,
bannir le sucre blanc. D'ailleurs, il y a ma belle-mère qui m'a acheté du sucre blanc là-bas, un peu de force, parce qu'elle n'en trouvait pas quand elle y était allée. Et du coup, elle en a acheté, elle en a laissé un paquet. J'en veux pas. Je vais lui rendre. Je vais la remercier, mais je vais lui rendre. Voilà, nous, c'est pas bon, quoi. Ensuite, il y a des choses qu'on a arrêté d'acheter à la maison, c'est les pinces. Alors, pendant des années, moi, j'ai déjeuné avec les princes chocolatés le matin, là. Les excellents biscuits fourrés au chocolat. Moi, j'adorais ça, c'était mon plaisir du matin. Trois princes trempés dans mon café au lait le matin devant YouTube. Vous savez, ça, c'est mon miracle morning. Hein. Je fais ça toute seule, tous les matins, toute l'année. Je me lève à 6h du matin et pendant une demi-heure, je suis seule avec mon petit-déj et ma vidéo et mes princes. Mais depuis... un peu avant d'avoir commencé White Watcher, j'ai dit, c'est faut arrêter. En plus, je bourrais de faim à 10h du matin, en fait. Et à chaque fois, j'avais ma collègue qui me disait, mais arrête avec tes princes. Mais ça te nourrit pas, les princes. Mais je dis, ouais, mais c'est tellement bon. Et c'est hyper sucré, surtout. Et en fait, quand j'ai eu l'appli Weight Watchers, et puis que j'ai regardé combien ça coûtait en points un biscuit, je me suis dit, malheur. Et ça a sûrement participé au fait que je perde un peu de poids, parce que le fait d'arrêter ça trois biscuits par jour, ça a sûrement aidé, parce que du coup, j'ai changé un peu les courses hein, à la maison. Et même pour les enfants, parce que les enfants, ils ont des bagues orthodontiques et ils ne peuvent pas manger, ça fait un sacré moment déjà, qu'ils ne peuvent plus manger de choses dures. Voilà. Et du coup, ils me demandent toujours du pain de mie ou des trucs. Ils ne peuvent plus manger leur fameux granola que je faisais moi-même et tout. C'est dommage, enfin, ça reviendra un jour. Hein. Et du coup, j'ai essayé de trouver des choses qui leur plaisent au goût, hein, parce que c'est des gamins, voilà, faut aussi leur faire plaisir. Et donc nous on achète, mais il faudrait que je prenne des actions chez Harris. Nous on achète la brioche tranchée à la farine complète, sans huile de palme. Voilà, alors elle n'est pas bio, hein, mais si Harris pouvait faire la même mais en bio, je l'achèterais. Et voilà, qu'est-ce qu'ils disent ? Œufs frais de poule élevés au sol, sans huile de palme, sans colorant artificiel, source de fibres, et blé 100% français. Donc à chaque fois, toutes les semaines, j'en achète deux packs comme ça. Et eux, ils prennent ça le matin et ils mettent de la pâte à tartiner bio ou du beurre de cacahuète. Donc voilà, ça c'est leur petit-déj. Je dis pas que c'est le meilleur petit-déj du monde, mais c'est mieux que les princes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté hier? Alors ça, je vous en dirai des nouvelles plus tard. Ça va peut-être participer au fait de désengorger un peu ma poubelle à recycler. C'est que moi, j'avais mon lait écrémé. Donc les enfants et Monsieur Linette, ils ont leur lait bio demi-écrémé et moi, j'ai mon lait bio écrémé. Donc ça fait deux bouteilles dans le frigo, évidemment. Hein. Et j'ai acheté ça, alors hyper cher, hein, je crois, dans les 14 euros. Ça correspond à 5 litres de lait d'amande, mais sachant que moi en fait souvent en plus mon litre de lait écrémé je dois le vider au bout de 5 jours parce que j'ai pas réussi à le finir. Moi je me fais mon bol de café et je mets juste un peu de lait comme ça, mais je me fais pas genre un tiers de lait, et du coup c'est trop, et je veux pas acheter les 2 000 litres parce que je trouve déjà que c'est plus cher au litre et que voilà, t'achètes des petites bouteilles comme ça, je vois pas l'intérêt. Et du coup, j'ai acheté ça et je vais essayer de remplacer mon lait écrémé par ça. Surtout que depuis que je fais mon rééquilibrage Weight Watchers, je m'aperçois que moins je consomme de lait et moins je suis ballonnée. Donc je pense que je dois avoir une petite intolérance au lait, aux produits laitiers. Je pense que... je m'aperçois que moins j'en consomme et mieux je me porte. Donc, on va voir si j'arrive à passer à ce truc-là. C'est vegan, sans lactose, sans gluten. En plus, l'emballage, il est vraiment réussi. Je trouve que c'est hyper mignon, hyper joli. On a envie de l'acheter. Et là, je dis bravo aux produits bio qui savent rendre des produits attractifs. Voilà, parce que c'est pas toujours le cas. Et puis, ensuite, je voulais encore vous parler d'autre chose, d'une astuce écolo. Sans doute votre maman le faisait quand vous étiez petite et ça vous énervait ou vous aviez honte. Peut-être. Moi je trouve... il y avait le placard et il y avait tout un étage, c'était consacré qu'à ça. Je parle du papier cadeau, les filles.
Et je me suis remise à conserver le papier cadeau et j'ai appris aux enfants à ne pas, maintenant qu'ils sont un peu grands, à ne pas déchiqueter comme des fous le papier cadeau parce que, s'il est beau, je le garde. Voilà, on le remet bien, on essaye de l'ouvrir délicatement et s'il est beau, s'il n'est pas complètement moche et craquelé et tout ça. Donc là, c'est un super beau papier un peu genre recyclé, vous voyez. Et quelquefois, on a genre un stylo ou un rouge à lèvres à emballer. Je trouve ça idiot de ne pas réutiliser un truc comme ça tout propre, enfin. Et quand je vois aussi le prix des rouleaux, bah, parce que j'ai une sorte de tonneau en rotin, là, à côté de moi, c'est rempli de rouleaux d'emballage cadeau, parce qu'il y en a pour les filles, pour les garçons, pour Noël, pour les autres occasions. Quand je vois ça, c'est moche, quoi, en plus. Et c'est cher. Et du coup, je vais revenir à ça. Je continue d'avoir des rouleaux conventionnels et tout neufs pour les gens qui sont un peu obtus et qui ne sont pas du tout ouverts à ça et qui pourraient mal le prendre en se disant « elle essaye de recycler ses vieux machins ». Par exemple, pour les copains des enfants, pour les anniversaires des copains, ouais, je ne vais pas réutiliser ça. Mais par exemple, dans ma famille qui est assez ouverte d'esprit côté écolo, évidemment que je vais réutiliser ça. Au contraire, c'est vachement bien. Et du coup, voilà, je fais ça. Je garde aussi les papiers de baguettes des boulangers. Je vous raconte pas sur une ville entière ce que ça doit faire, ça, dans les poubelles. Et personne ne le recycle, ça. En plus, on fiche ça à la poubelle comme ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que moi, je les garde pour congeler mon pain. Donc, comme nous, on a une boulangerie qui est à côté de chez nous, mais franchement, ils ne savent pas faire le pain. Hein. C'est pas ça, un boulanger pour moi. Et du coup, il y en a une qui est à peu près bonne, mais il faut prendre la voiture. Donc, évidemment, il est hors de question que pour manger du pain le soir, on prenne la voiture et qu'on traverse la moitié de la ville pour aller chercher du pain en voiture. Quoi. Ça, c'est une aberration totale. Ce que je fais, c'est que quand je passe dans le coin de cette boulangerie et que je prévois d'acheter environ 4 baguettes et arriver chez moi, je les coupe en deux, je les mets là-dedans et en fait là-dedans, c'est tellement large en plus ces trucs-là que j'ai la place de mettre 2 demi-baguettes en carton et que je mets dans mon congèle. Et ça se, du coup, quand vous le faites immédiatement après avoir acheté votre baguette, ça se dégèle super bien. Et du coup, le soir, on a une baguette, ou le samedi, ou le dimanche, on a toujours une baguette à sortir, et avec du bon pain. Et ce que je fais aussi, c'est que maintenant, j'essaye d'acheter du pain à l'épeautre, pour moi en tout cas, qui essaye de faire le rééquilibrage alimentaire, c'est quand même un petit peu meilleur. Et maintenant, je suis capable de le manger pendant 3 jours. Avant, je ne l'aurais pas fait. Et maintenant, je prends sur moi. Et ce que je fais, c'est que je mets mon petit beurre allégé, je mets mon miel de lavande. Et vous voyez, ce matin, par exemple, je trempais mes tartines un peu rassis, hein, mais avec des graines et tout. Enfin, j'avais acheté le pain bio, je vous l'avais montré hier. Donc, je l'avais eu à moins 30%. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il était un petit peu comme ça. Mais trempé dans le café au lait, c'était très bon, en fait. Bon, après, il faut aimer tremper. Moi, j'aime tremper. Écoutez, voilà pour mes idées. Alors, rien de révolutionnaire, hein, voilà, on est bien d'accord. C'est vrai que je suis admirative des filles, moi. Maintenant, je commence à regarder des vidéos de filles qui appliquent ça au quotidien, qui ont plein d'idées, qui ont plein d'astuces. J'y suis pas encore, mais je suis au début du chemin, en fait. Je suis au début du chemin. Alors, il y a mon bicarbonate que je mets dans ma cuisine, enfin, dans mes tiroirs à produits ménagers, parce que maintenant, j'en utilise extrêmement souvent. Ce que je fais au niveau des produits ménagers, je n'en ai pas parlé, mais c'est que là, je termine le stock de produits ménagers que j'avais d'antan, en fait. C'est qu'avant, j'étais une produit ménager maniaque, quoi. C'est-à-dire que c'était comme des rouges à lèvres. Quand je voyais un produit ménager, il me le fallait, et le nouveau, et le machin, avec des couleurs, avec le pchit. Il me fallait quasiment un produit ménager pour chaque meuble de la maison, ou le truc par terre et tout. Et ça, c'était nouveau, parce qu'avant, je me rappelle, je pense que j'étais plus consciente du bio, de l'écolo et tout ça, quand mes enfants étaient bébés. Parce que je me souviens qu'à l'époque,
Ben, je lavais par terre avec des produits bio, donc à la menthe douce, je me souviens, c'était très très bien. Et après, je me suis mise à acheter bêtement des produits chimiques, hein, et quand on sait un peu tous les perturbateurs qu'il y a dedans, je me dis, faut arrêter tout ça. Alors, fiche ça à la poubelle, hein. C'est pas top quand même. Donc, je finis ça. Ça met une éternité à se finir. Il m'en reste plein. Surtout qu'en plus, maintenant, je divise par deux les doses. C'est-à-dire qu'avant, je pense que j'en mettais trop. Et c'est pareil pour la lessive. La lessive, en fait, maintenant, je mets moitié de la dose. Et je peux vous dire que mon linge, il est parfaitement lavé. Donc, c'est tellement concentré, tous ces trucs-là. Il faut arrêter d'en mettre la dose conseillée parce que il y en a trop. Il y en a trop, c'est trop puissant. Et vous verrez que votre linge, que votre sol, il sera propre quand même, en fait. Donc voilà. Et donc j'ai acheté il y a longtemps déjà le bicarbonate de soude, notamment pour nettoyer mon tapis. Et ça le désinfecte. Je saupoudre régulièrement mon tapis de bicarbonate de soude et après je passe l'aspirateur. Et ben ça, voilà, ça lui redonne un petit coup de neuf et de. Ça le désinfecte un petit peu. Après, c'est pas super nettoyé, ça enlève pas les taches. Mais par exemple, dans la cuisine, quand j'ai une casserole qui a brûlé, je mets du bicarbonate au fond, je fais bouillir de l'eau, je surveille avec une petite pelle en bois, bah, ça se décolle tout de suite et c'est vraiment magique et ça marche vraiment, vraiment bien. C'est pareil, je nettoie mon évier de cuisine avec mon bicarbonate de soude, je saupoudre. Je pchite, en fait j'ai des pchites de. Ah! Dites-moi, vous pouvez pas m'aider à travers la caméra. C'est pas de l'alcool, c'est du vinaigre blanc. Voilà, du vinaigre blanc. Et je pchite le vinaigre blanc, ça fait des réactions chimiques, ça fait de la mousse. Et après, je prends ma brosse. Et en fait, c'est la même chose que tous les produits que vous achetez hors de prix, les machins. Enfin, je sais pas les marques là, Unilever ou quoi, j'en sais rien. Enfin, j'ai rien contre eux, mais bon. Enfin, c'est la même chose en fait, sauf que là, il n'y a pas plein d'ingrédients chimiques en plus, et ça lave tout aussi bien. Et pourquoi pas mettre un petit peu d'huile essentielle aussi au fond de votre bonde et fini les mauvaises odeurs. Enfin, voilà, il y a des petites astuces comme ça. C'est pareil, j'ai arrêté complètement d'acheter. Le produit pour les plaques à vitrocéramique et induction, vous savez, ça coûte super cher là. Je sais plus le nom du truc, mais c'est un liquide un petit peu épais. Et en fait, dedans, il y a du bicarbonate. Donc, quand ma casserole a attaché sur la plaque, hop, un petit peu de bicarbonate, je vaporise mon vinaigre blanc. Je laisse poser et après, ben, je prends tout simplement mon éponge, hein, une éponge, et ça s'en va super bien. Et après, ben, l'éponge, quand elle est sale, je la mets à bouillir à la machine à laver, et puis ça se passe très très bien. Donc c'est pareil, les Swiffer, j'ai arrêté d'acheter les Swiffer. Maintenant, on ne marche plus qu'à la microfibre. Alors j'ai appris à mes enfants à faire leur ménage avec le Swiffer. Maintenant, on est passé à la microfibre. Et en fait, ça se passe très très bien, hein. Donc voilà, il y a des petites choses qu'on peut faire dans la vie. Après, ça ne va pas révolutionner le monde, ça ne va pas sauver la planète, mais bah, c'est mieux que rien. Moi, c'est ce que je pense. Voilà, un petit geste. Bah, écoutez, j'ai hâte de lire toutes vos astuces. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros 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 bisous et puis on se retrouve bientôt.